Sergio, à gauche, elle arrête pas de te mater, là. Excuse-moi, ce serait pas Serge Benamou ? Ça va pas changer. La vérité, mademoiselle, il changera jamais. La vérité, hey, la vérité ! La vérité, si je mens. Yalla ! Histoire, géographie, élève sérieux. Le bonheur que tu donnes à tes parents, mon fils. Bon, c'est pas facile, mais je m'accroche. Il y a un F à philosophie. Mais bien sûr qu'il y a un F, c'est du grec. La caisse de ton magasin, c'est pas ton argent de poche. T'inquiète pas, je remets tout demain. Je te donne ma parole que c'est la dernière fois. Je bosse comme un malade maintenant. C'est pour ça que t'es encore en pyjama à midi moins 20. Ah, oui. Ma femme, elle veut te parler. Allô ? J'ai envie de quoi ? Bien sûr, à la Finkelstein. Putain, mais y'a que moi qui bosse ici. Y'a une cliente qui veut pas payer ses pénalités de retard. Elle est où ta chaise ? Je vais te montrer moi comment ça marche. Elle a 10 jours de retard. Et alors, tu travailles à la poste ? Attends, je crois pas, c'est ta caisse ça ! Bah ouais, quoi, oh, je suis un patron, faut bien que ça se voit. Prendre un appartement, mais pourquoi ? T'as rencontré quelqu'un, c'est ça ? Je te le dis tout de suite, c'est pas la peine de compter sur nous. Je financerai pas un bésodrome pour mon fils. Ouh, Dave ! Elle est bonne, sa mère. C'est pas sa mère. Ah bon ? Il est pas là, Benamou ? Mon pauvre garçon, vous auriez dû demander une dispense pour raison médicale. J'aurais tellement voulu aller à la fac. Il vous manque combien de points ? On trinque ? À l'amitié. À la famille. Yalla ! Oh yalla, mais comment je l'ai niqué ! Je l'ai retourné comme une crêpe, toujours un peu plus à pleurer sa mère ! J'ai même cru qu'elle allait me filer la mention !